Puis pour Ortiz. Berdemchenko. Et au centre pour Pouille, le but! Sur le retour, Ravis Hansen! Et je te disais, là, c'est une guerre d'espace, là. Oh, quel arrêt le fait de Patrick au défense voyer, Patrick, excuse-moi, mais... La passe est vive, c'est Robert maintenant de l'autre côté, à Poulin, le tir et le but dans la partie supérieure. Oh, l'avantage numérique du Phoenix, ça bourre. Et Voyer en avant, là, fait un excellent travail de... Et là, Voyer qui va marquer sur le retour, justement, après le tir de Samuel Poulin. Et le Phoenix le frappe une deuxième fois en avantage numérique. Et Voyer... Au devant, pour le seul, c'est Légaré, quel arrêt de Thomas Sigouin devant Légaré qui l'avait à sa merci. Wow, ça va mise à Tardif. Tardif maintenant. Oh, pour Roy de l'autre côté, rondelle libre devant. Et quel arrêt de Fitzpatrick avec la mitaine. Oh! Voilà, Bolduc maintenant avec un tir qui a dévié devant le filet. Et la rondelle se retrouve derrière Fitzpatrick. Je pense que c'est Bailey Peach qui aurait probablement... Verhangtil à Boucher maintenant pour Cruiser. De l'autre côté, Belzile son tir... bloqué par Fitzpatrick. Jacques reprend le tir à courte distance et finalement, sur le deuxième retour, Monroe Boucher, là, qui réussit à l'embouchure du filet là, du côté du Phoenix. Tardif maintenant avec un tir bloqué. Et sur le retour, Gay va compléter le travail et le Phoenix mène maintenant 5. Oh, il avait battu Fitzpatrick là-dessus. C'est l'attaque à 2 contre 1, contre-attaque. Giguère maintenant avec Fratteroli. Go! Brendan Fratteroli! Belle relance suite à tir de Gay, là. Dévié devant. Et Yen sur le retour va marquer. C'est un revirement là, du jeune Arsenault là, qui va créer le sixième filet. John, donc, on va y aller avec notre gardien numéro 1 et lui donner un repos là, pour être une bonne chose. Alors, il y a un autre but marqué par le Phoenix. Phoenix Robert là, qui complète sur le retour du tir du point d'appui pour marquer Fitzpatrick. La longue passe pour Légaré qui s'en va seul. Tout fait seul devant Sigouin. Le tir et encore une fois l'arrêt. Mais là, il y a eu pénalité. Est-ce qu'il y aura tir de pénalité? Je pense que pénalité marque. La marque est de 6 à 2, Sherbrooke. Et le voilà qui a l'occasion maintenant d'inscrire un troisième but pour son équipe. Et là, c'est l'arrêt de Thomas Sigouin qui aura eu gain de cause. Pour remettre Proulx derrière le filet. Proulx maintenant jusqu'à Hansen. On a remis Hébert avec les deux vétérans. Hébert est venu frapper à la porte à deux reprises pour marquer son premier but avec le Drakkar. Et la mêlée éclate par la suite. Il y a le double échec de Xavier. La patinoire. Le tir de Proulx bloqué par Sigouin. Arsenault avec une frappe. C'est dévié par Hansen. Et c'est le but. Ravis Hansen marque son deuxième. Ouais, dévié. Voilà Hansen maintenant qui échappe la rondelle. Ortiz donc il va laisser le disque à Roy. Il est seul devant. Et Moody réalise son meilleur arrêt dans le match. Là, sur... qui se place et se couche devant les lancers. Tire de Briand, encore!